Bonjour à tous dans notre émission à la découverte de nos régions. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une forteresse romaine qui a vécu beaucoup de changements au fur et à mesure du temps. Notre envoyé spécial, Carlos, ainsi qu'un célèbre historien nommé Pierrick, vont nous présenter tout ceci. C'est d'ailleurs à eux que je vais leur rendre l'antenne. À vous, Carlos. Ok, d'accord. Bienvenue dans notre émission à la découverte de nos régions. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une forteresse romaine qui a été transformée en villa bourgeoise au XXe siècle. Nous avons l'honneur et la chance d'avoir avec nous aujourd'hui un historien, Pierrick. Venez avec moi. Bonjour Pierrick. Bonjour. Cet historien est venu ici exprès pour nous présenter cette forteresse romaine. Qu'avez-vous à nous apprendre sur ce lieu ? Eh bien, cette forteresse romaine a été érigée par Dominus Romanus sur terrain pentu via seulement 20 esclaves. D'accord. Et comment se fait-il qu'il y ait eu des transformations de cette forteresse en villa bourgeoise au XXe siècle ? Eh bien, la ville a décidé de faire des rénovations et de transformer cet endroit pour générer plus de profits via les touristes. D'accord. Mes chers téléspectateurs, vous allez avoir l'honneur d'assister à une reconstitution de la vie à l'époque. Ils vont faire une rénovation de la forteresse. Ah bon, vraiment? Oui, et ils vont raser notre belle forteresse pour faire des villas bourgeoises. Mais c'est n'importe quoi! Bon, de toute façon, je m'en fiche. J'ai piqué un tableau chez la voisine. Eh ben, tant mieux! On va le vendre, on va être riche. Eh ben oui, c'est nous qui allons acheter cette villa. J'espère que ce reportage vous aura plu. Merci d'avoir regardé ce second épisode de À la découverte de nos régions. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À la prochaine.